Bien, alors dans ce document, il y a le style de paragraphe corps du texte, bien sûr. Si vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans un paragraphe de texte, on vous indique, tiens, c'est celui-là, corps du texte. Vous avez des titres de second niveau, des sous-titres. Quand vous cliquez dans un sous-titre, on vous indique, tiens, ils utilisent ce style-là. Vous avez les titres de premier niveau. Alors je vous rappelle, quand on est en train de manipuler comme ça le document avec avec l'outil texte, pour bouger les pages sur la fenêtre, c'est la touche Alt. D'habitude, c'est la barre d'espacement, mais là, quand je suis avec l'outil texte, je suis obligé d'utiliser la touche Alt pour appeler la main pour bouger sur l'écran les choses. Et troisième style qui existe ici, c'est les grands titres de premier niveau. Alors, il y a dans le document certaines choses particulières qui n'ont pas de style encore. On va créer les styles pour ces choses-là. Par exemple, du texte comme ça qui se met entre deux colonnes, un extrait des paragraphes pour attirer le lecteur, pour lui permettre de faire une lecture en diagonale de tout le document aussi. S'il veut d'abord voir un peu de quoi ça parle, il va regarder ces extraits. Eh bien, on va leur faire un style. Alors d'abord, on va aller tous sur la page 18. Donc, pour aller rapidement sur la page 18, sans même utiliser la palette des pages, vous tapez ici 18, en bas à gauche, touche Entrée sur le clavier, vous devriez arriver sur la page 18. Bien. Donc, je suppose que c'est la même chose chez la plupart d'entre vous quand vous êtes en affichage normal ici dans la palette des outils. Si vous l'avez mise en deux colonnes comme moi, si l'icône de gauche en bas de la palette des outils est enclenchée, c'est l'affichage normal. Vous devriez voir que le texte chez vous est surligné en rose, c'est ça. Ça, c'est la manière de InDesign de vous dire que la police n'est pas installée sur l'ordinateur, mais vous pouvez malgré tout travailler le document. Voilà. Il faudra soit remplacer la police à un certain moment par une qui est installée sur l'ordinateur, soit installer réellement la police sur l'ordinateur. Elle est livrée dans le dossier ici, des fontes, dans le dossier que vous avez reçu, mais attention, ne l'installez pas maintenant, on n'en a pas besoin, ce n'est pas utile de l'installer. Mais le dossier d'assemblage qui est fourni contient les images et aussi les fontes nécessaires au bon fonctionnement du document. Mais ne l'installez pas pour l'instant, ce n'est pas grave. InDesign peut fonctionner avec une police qui n'est pas installée. Ok, alors vous allez mettre le curseur dans le curseur texte dans le bloc qui est là. Ah oui, ça ne marche pas. Ah oui, pourquoi? Alors, qui sait pourquoi ça ne fonctionne pas? Qui sait pourquoi j'arrive pas à prendre le curseur texte? C'est ça. Cette chose-là, ce texte-là, c'est un texte qui habille, qui repousse le texte principal. Et il est dans le calque habillage, en effet. Ben, je vois que vous commencez à maîtriser. Fenêtre calque, donc Windows Layers. Et vous allez faire Alt-clic sur le petit verrou ici, en face d'habillage. Alt-clic encore une fois. Tout est verrouillé, sauf le calque habillage. Et là, on va arriver à mettre le curseur quelque part dans le paragraphe. Alors, l'aspect est très brut ici. Au niveau de l'aspect de la page avec ce texte gras, c'est très brut. L'idée, c'est que vous allez pouvoir mettre ça à différents endroits. Et bien sûr, par le style, par la suite, vous allez pouvoir améliorer l'aspect de toutes les pages d'un coup, de tous les éléments identiques d'un coup. C'est le principe du style. Donc, on va créer le style maintenant. Maintenant que vous avez le curseur qui est dans le texte là, vous allez dans le. Oui, on voit au passage qu'il utilise le. Il a démarré du style corps du texte body, mais il a été modifié. Ben oui, évidemment, on voit qu'il ne ressemble pas au corps du texte body. Il a été modifié. Plus grand, gras, etc. Et le petit signe plus ici vous indique que c'est ce style-là, mais il y a eu des modifications. Quand vous survolez d'ailleurs, l'infobulle vous indique quelles sont les modifications qui ont lieu, quelles sont les différences. Voilà, on est passé en bold, en corps 16, la césure a été désactivée, c'est ça que ça veut dire césure, hein, bon.
la coupure des mots. On est passé en Helvetica, centré, bon voilà. Alors allons-y, créons le style. Menu de la palette style paragraphe, nouveau style paragraphe. C'est la première ligne aussi dans la version anglaise. C'est pas difficile. N'allez pas trop vite. Alors. Bon, je vais l'appeler texte qui habille. Alors attention, n'allez pas trop vite. Quand vous créez un style de paragraphe comme ça, ce sera valable aussi pour les styles de caractère, bien sûr. Quand vous créez un style comme ça, et qu'au départ, le texte que vous avez modifié, là, il utilisait déjà un style, c'est le cas ici. Il utilisait corps du texte et je l'ai modifié. Ben alors, il faut surtout vérifier ici, il faut ici indiquer d'après aucun, none dans la version anglaise. Parce que sinon, vous créez ce qu'on appelle un parentage de style. Il y a un style parent qui sera corps du texte, si vous laissez comme c'était avant. Et il y a un style enfant qui sera texte qui habille. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut mieux pas, quand on est débutant, faire des parentages de style. Des styles enfants, des styles parents. Donc, vérifiez bien chaque fois que vous faites un style que vous ne... Vous avez ici, d'après, aucun. Voilà, on peut cliquer sur OK. Le style a été créé. Il n'est pas utilisé encore par le texte. Je vais simplement ici faire un CTRL-A sur le PC, CMD-A sur le Mac pour sélectionner tout le texte qui est là et appliquer le style. Voilà. Parfait. Alors on va enregistrer le document parce qu'on n'est jamais trop prudent. Fichier enregistré sous. On va modifier un peu le nom. Je vais mettre 134 ici. Donc le fait d'appliquer, d'abord, le principe c'est évidemment que le texte modifié là dans le document nous a servi à faire une description, un style. Le fait maintenant d'appliquer la description à ce texte ne le modifie pas, c'est logique. Ça fait juste un lien. Ça va permettre que par la suite, je vais pouvoir modifier tous les textes qui habillent dans tout le document. Je vais pouvoir les modifier d'un coup, facilement, en travaillant par le style, une espèce de télécommande. Enfin, vous connaissez le principe du style.